depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à démontrer sa puissance face à ses semblables. Mais ça n'a pas toujours été facile. Au début de l'humanité, l'homme a dû combattre des dinosaures. Plusieurs d'entre eux ont été dévorés comme un brin d'herbe. C'est à ce moment qu'ils ont créé des armes. Ils ont fabriqué des épées. Et les épées de rapport nous rappellent surtout l'époque des pirates, dont le plus célèbre des corsaires, le capitaine Jack Sparrow. Par la suite, l'homme a décidé d'appuyer son armée avec un hymne au combat. Le fait de ne rien porter sous son kill est en fait une stratégie bien calculée afin de déranger l'ennemi. Oui, c'est un combat, je l'admets, mais tous les coups sont permis. Il y a eu ensuite la glorieuse époque de la cavalerie. Puisque Lucky Luke ne pouvait être partout, puisqu'il avait les mains pleines avec les Dalton, il est appuyé par l'armée du président. Donc, les bandits et les Indiens n'avaient qu'à bien se tenir. Et par la suite, l'homme a voulu traverser les océans afin de démontrer sa puissance durant la guerre mondiale. Rien n'est aménagé afin de vaincre l'ennemi. Il y a eu bien sûr des gens avec beaucoup de puissance. Évidemment, il y a eu le dur combat entre le mal et le bien. La puissance de la force. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la, du côté obscur, comme disait Yoda. Par contre, dans l'humanité, il y a eu des guerres beaucoup plus importantes, comme la guerre des enchères. Celui qui s'est promené à travers plusieurs tableaux afin de combattre le méchant Spencer. Évidemment, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Et à présent, nous avons deux équipes ici qui vont se battre. Qui ont travaillé fort pour deux chorégraphies. Alors DJ Sam, walk in for the first team. This is our team is called We're the Granby Bitches!